Donc, bonsoir et bienvenue à la troisième conférence de notre cycle de conférences, donc le cycle de conférences de la chaire Diaspora, que je co-dirige avec mon collègue géographe Sylvain Racot. Je suis Sylvain Mbondo-Barry, donc professeur de littérature francophone à l'Université Bordeaux-Montaigne. Et titulaire de la chaire Diasporas africaines et transculturalité. Cette chaire est coordonnée par Baptiste Coué, qui est aussi dans la salle. Aujourd'hui, nous allons recevoir le professeur Hans-Jürgen Lusebrink de l'Université de Saarbrücken en allemand. Le professeur Lusebrink est professeur senior d'études culturelles romanes et de communication interculturelle. Il a une double formation d'historien et de romaniste, avec deux champs de recherche assez divers et variés. Il a commencé ses recherches sur le 18e siècle français. Et puis rédiger une thèse d'habilitation sur la prise de parole dans le champ de littérature francophone, notamment africaine francophone. Et il a poursuivi ses recherches, notamment au moment de l'obtention de la chaire d'études romanes de l'Université de Saarbrücken, dans une perspective plutôt interculturelle. Et justement, dans cette perspective interculturelle, il a publié de nombreux ouvrages, que je ne vais pas lister ici, de nombreux ouvrages en allemand et en français sur les relations interculturelles entre l'Afrique et l'Europe, bien entendu, mais aussi entre la France et l'Allemagne. Donc il a également travaillé, c'est l'un des champs principaux de sa recherche, sur les transferts culturels franco-allemands. Avec des collègues de l'École de hautes études en sciences sociales. Il a notamment publié un texte cité avec... vous ne l'avez pas noté dans votre bibliographie. Non, avec Saga Moussa. Oui. Oui, avec Saga Moussa, « Dialogue interculturel à l'époque coloniale et postcoloniale, représentation littéraire et culturelle ». Mais aussi publié avec moi à l'époque, en 2015, un ouvrage intitulé Ville coloniale et métropole postcoloniale, représentation littéraire, images médiatiques et regards croisés. Je connais le professeur Lusebrink depuis un peu plus d'une vingtaine d'années. J'ai été son collaborateur à l'Université de la Sarre, à la chaire d'études culturelles romane et de communication interculturelle, et nous avons mené ensemble un certain nombre de projets, de publications et de projets de recherche. Donc je suis vraiment très heureux de le recevoir ici, dans l'une de ses grandes spécialités, notamment ces questions d'expérience autobiographique, d'écriture autobiographique, de trajectoire aussi. Et là, avec un focus particulier sur les intellectuels du continent africain. Donc, je ne vais pas en dire plus. Je vais tout de suite céder la parole au professeur Lusebrink pour sa conférence. Donc, encore merci d'avoir accepté notre invitation. Et nous sommes vraiment très heureux de vous avoir ici parmi nous. Et vous avez la parole. Merci beaucoup, Sylvain Mbondo-Barry, d'abord pour ces mots d'introduction et de présentation, et pour l'invitation de venir ici. Je suis vraiment ravi de présenter quelques idées et quelques résultats de recherche aussi devant vous, devant les collaborateurs et collaboratrices de la chaire. Salut aussi M. Racot, dont j'ai fait la connaissance ici, on était en correspondance ces derniers temps.
Et bon, je suis ravi d'être ici et de pouvoir discuter aussi avec vous après cette conférence qui va durer un peu plus d'une heure, peut-être 60, 65, 70 maximum de minutes. Ce que j'ai prévu, bon, le titre vous l'avez ici, c'est une présentation en quatre temps. Donc je vais parler d'abord ce que j'ai appelé la République colonisatrice et ses contradictions. Deuxièmement, ce que j'ai appelé l'universalisme républicain français contesté, appropriation et ambivalence. Troisième point, valeurs républicaines et récits d'immigration. Et puis je vais aboutir à quelques conclusions que j'ai appelées prudemment questionnement conclusif de l'interrogation de l'universalisme républicain au pouvoir de la littérature. Je commence donc par le premier point qui concerne la République colonisatrice et ses contradictions. Friedrich Seebock, que vous voyez ici, qui n'est plus connu en France, mais qui l'était beaucoup, parce qu'il a vécu une vingtaine d'années en France comme journaliste allemand, donc qui fut dans l'entre-deux-guerres et dans les années 1950 l'un des journalistes, publicistes et critiques littéraires allemands les plus renommés, entreprit au printemps 1938 un voyage en Afrique du Nord et en Afrique occidentale française aux frais de la Frankfurter Zeitung, un journal basé à Francfort pour lequel il travaillait comme correspondant en France. Ce voyage, qui devait aboutir à une série d'articles qui paraîtront en grande partie dans ce journal, et ensuite sous forme de livre, traduit en 1939 en français par un traducteur connu qui s'appelle Betz, sous le titre « Visage de la France en Afrique », ce voyage débuta en Tunisie, qui était à l'époque un protectorat français. Ce qui frappa d'emblée Seebock, qui était un journaliste conservateur, mais qui avait une grande sensibilité politique, était la prise de conscience politique de la jeunesse intellectuelle tunisienne liée au mouvement politique et contestataire du néo-détour. Il la décrit comme suit. Vous avez ici la citation. Pourquoi ce malaise? D'abord, à cause du fait même de la présence de la France en Tunisie. Les jeunes générations considèrent la puissance protectrice comme l'intruse et ne voient nullement en elle l'autorité réformatrice qui a introduit la justice dans le pays, qui a mis fin aux abus d'un despotisme incapable, qui a relevé le niveau d'existence et qui a permis l'accroissement rapide de la population. Les jeunes ont emprunté leur arsenal intellectuel à la France, et contre qui l'employerait-il sinon contre la France? Ils ont passé des examens, obtenu des diplômes, acquis des prétentions, et voici qu'ils trouvent tous les emplois du pays occupés par des Français. Fin de citation. Les observations de Seebock paraissent intéressantes à plusieurs égards. D'abord, parce qu'il réussit à les publier en 1938, 5 ans après la prise de pouvoir d'Hitler et dans une phase de très nette radicalisation de la politique du Troisième Reich. Hitler avait en effet promulgué cette année même, en 1938, ses lois raciales dirigées en particulier contre la population juive en Allemagne, mais aussi contre les Sinti et les Romains, ainsi que contre les Africains vivant sur le sol allemand, les considérant comme des hommes et des citoyens de seconde classe et menaçant de les stériliser et de les enfermer dans des ghettos et des camps de concentration. Ensuite, Seebock constata avec une certaine perspicacité les conséquences, en partie inattendues, du pouvoir colonial français, de l'éducation républicaine transposée dans l'espace colonial. Influencé par Jules Ferry, qui avait promulgué au début de la Troisième République française, c'est-à-dire dans les années 1880, à la fois la généralisation de l'éducation primaire et de l'alphabétisation générale, et un nouveau projet colonial français, donc c'était vraiment en parallèle dans les années 1880,
Donc, dans ce contexte, le pouvoir colonial français avait mis en place, dès la fin du XIXe siècle, un système d'enseignement colonial à tous les niveaux. Celui-ci incluait, dès 1913, avec la fondation de l'école William Ponty à Gorée au Sénégal, aussi l'enseignement supérieur. Malgré de fortes inégalités et un manque de moyens flagrants, le système éducatif colonial français contenait la promesse d'une alphabétisation pour tous et d'une ascension sociale généralisée par l'éducation. Pour tous les Africains, pour tous les Maghrébins, une sorte de promesse républicaine, une vision en quelque sorte. Ces programmes furent largement calqués sur ceux de l'enseignement de la 13e République qui était basé dans ses principes fondamentaux sur l'héritage des Lumières et de la Révolution française et ses valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. Mais Zeebock ne mit pas seulement en relief, à travers des observations brèves mais pertinentes, ses visées éducatives foncièrement ambivalentes, à la fois émancipatrices et servant l'expansion coloniale, et aux conséquences inattendues et dans une large mesure non calculées. Il constate également, et là je reprends la citation, je reprends une citation de Zeebock, « Les jeunes ont emprunté leur arsenal intellectuel à la France, j'ai déjà cité cela, mais j'aimerais le reprendre, et contre qui l'employerait-il sinon contre la France ? Ils ont appris la langue de la Troisième République, ils sont abreuvés de l'évangile de la liberté et de l'égalité, et ils sont surpris de ne pas le voir mettre en pratique en Tunisie. » Sous l'angle de la problématique qui nous intéresse ici, l'immigration en provenance de l'Afrique du Nord et de l'Afrique subsaharienne, vue à travers des récits autobiographiques, les observations de Zeebock dirigent notre attention vers trois types de questionnements que nous allons poursuivre dans la suite de la conférence. Voilà, trois choses m'intéressent en particulier que je vais focaliser et nourrir aussi d'exemples. Premièrement, celui des contradictions entre promesses républicaines et réalité coloniale. En second lieu, la dynamique de l'acculturation coloniale française avec ses spécificités. Et enfin, le questionnement de l'impact de l'autoreprésentation de la France coloniale et postcoloniale comme républicaine et fidèle aux valeurs des Lumières et de la Révolution française, sur l'immigration postcoloniale et contemporaine et les récits d'intellectuels et d'écrivains qu'elle a générés. Les deux premiers questionnements concernent la dynamique de l'acculturation coloniale, c'est comme ça qu'on peut l'appeler, il y a une dynamique de l'acculturation coloniale républicaine et sa dynamique politique et intellectuelle qui peuvent être saisies de manière emblématique à travers un poème qui s'intitule « Ce que m'a donné la France » de l'écrivain et homme politique ivoirien Bernard Benlin Dadier, que vous connaissez peut-être, mais Dadier est beaucoup moins lu maintenant. Il est mort d'ailleurs en 2016. Né en 2019, il a reçu le prix là en 2016. Né en 2016, Dadier fit partie de la première génération, non juste une phrase avant, le poème que je vais citer tout à l'heure, « Ce que m'a donné la France » a été écrit par Dadier, qui avait été poursuivi et condamné en 1949 pour des activités anti-françaises dans la prison de Grand Bassam, où il purgeait alors une peine d'une année. Donc Dadier est né en 1916. Il fit partie de la première génération d'intellectuels africains, appelés à l'époque les évolués, qui avaient grimpé toute l'échelle de l'enseignement colonial, de l'école primaire jusqu'à l'enseignement supérieur, et ensuite connu une ascension sociale remarquable. Dadier fut employé en 1938 comme ethnologue par l'IFAN à Dakar. Il fit également partie
Il fait également partie des tout premiers Africains ayant acquis un statut de chercheur dans une institution scientifique française, les Africains ayant occupé jusque-là uniquement les rôles d'interprètes et d'informateurs de chercheurs, même si leur apport concret à la recherche dépassait largement ce cadre dévalorisant. Dadier mit frontalement l'accent dans son poème manifestaire, qu'il allait publier par la suite après sa libération de la prison, dans le journal politique Le Démocrate, organe quotidien du Parti démocratique de la Côte d'Ivoire, sur les contradictions entre les valeurs républicaines françaises et les réalités coloniales qui étaient à ses yeux radicalement opposées. Outre des valeurs fondamentales, Dadier évoque des événements clés, notamment la prise de la Bastille et la résistance pendant la Deuxième Guerre mondiale, et des personnages d'identification qui incarnent les valeurs démocratiques et républicaines, ainsi que la volonté de résistance à l'oppression, un droit inscrit dans la Constitution française depuis la Première République de 1792. Donc vous avez ici le poème, j'espère que c'est lisible. Donc je vais le lire parce que ça va servir de fil rouge pour un certain nombre d'arguments que je vais développer par la suite. Donc Dadier, ce que m'a donné la France. La France ne m'a donné ni le fusil, ni la poudre, ni les balles qui couchent à jamais les frères noirs ou blancs. Elle ne m'a donné ni mes menottes, ni mes années de prison, ni la misère dont je suis accablé. Elle ne m'a donné ni mon taudis, ni le code d'iniquité, ni la fosse commune. Par contre, elle m'a donné en exemple Vercingétorix, disputant avec rage la Gaule à César, le tyran. Elle m'a montré Voltaire, Balzac, Hugo, Péry, Daniel, tous les héros qui illuminent sa route de gloire, tous les écrivains et ces braves gens qui traitent l'homme en frère. Elle m'a montré Pasteur et la Pléiade de savants, s'oubliant eux-mêmes pour sauver leurs frères, pour donner au monde un sort meilleur. Elle m'a surtout montré d'un doigt impérieux le peuple de France courant sur la Bastille où une lettre de cachet jetait les hommes dans les fers et la vermine. Elle m'a donné, avec le peu que je sais, le goût de la recherche, du travail fini et élevé ma conscience à la conscience humaine. En faisant tomber de mes yeux le voile ténébreux de l'ignorance, elle m'a permis de humer le parfum d'un monde d'amour. Elle m'a permis de voir, par-delà mes misères, par-delà mon taudis, par-delà les montagnes d'injustice quotidienne, un horizon de paix, une cité d'hommes, frères, ayant dompté les fléaux et l'égoïsme mortel. Elle m'a dit la France, elle m'a dit par ses savants, par ses héros, par son histoire, par son génie. Elle m'a dit avec ferveur la France en me montrant les Bastilles qui croulent sous son regard de feu, lutte pour que ce monde-là soit. La France ne m'a donné ni le fusil, ni la poudre, ni les balles qui couchent à jamais des frères noirs ou blancs, mais en revanche, elle a éveillé en mon cœur l'amour de l'humanité. Ce poème de Bernard Dadier met l'accent donc de manière aiguë et à partir de ses propres expériences douloureuses sur les contradictions du colonialisme français. Mais il met également en relief les promesses et les valeurs à dimension universelle que Dadier voit incarnées dans la France républicaine et qu'il avait lui-même connues à travers l'enseignement colonial et plus largement à travers sa socialisation culturelle et politique dans le contexte de l'Afrique occidentale française et de la Troisième République. Il oppose ainsi la répression coloniale dont il fut lui-même victime et qu'il évoque à travers des termes comme prison, menottes, misère, balles et fusils, les valeurs de la République française issues du siècle des Lumières et de la Révolution française, les idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité, le droit, voire l'obligation de tout citoyen à la résistance contre l'oppression et la tyrannie, et le goût du savoir, de la connaissance et du travail fini. Dadier mentionne aussi des figures d'identification, qu'il appelle des héros,
qui incarnent à ses yeux ses valeurs et qui sont en partie constitutives du canon littéraire et historique transmis également par l'enseignement dans les colonies françaises. Vercingétorix, Louis Pasteur, Victor Hugo, Voltaire et Honoré de Balzac, à qui s'ajoutent deux figures importantes de la résistance communiste en France pendant les années de l'occupation nazie, que vous n'avez peut-être pas immédiatement reconnu, quand il parle de Péri, c'est Gabriel Péri, exécuté au Mont Valérien en 1941, et quand il parle de Daniel, c'est certainement Daniel Casanova, déporté et morte à Auschwitz en 1943 et également membre de la résistance française. Dadier invoque aussi au milieu de son poème le symbole de la Bastille, se référant à la prise de cette forteresse symbolisant le despotisme par le despotisme prise par le peuple révolutionnaire de Paris le 14 juillet 1789. Cette fête du 14 juillet fut également célébrée dans les colonies françaises. Moi, j'ai fait consacrer, il y a déjà pas mal de temps, une vingtaine d'années, une étude aux 14 juillet coloniaux pour voir comment le 14 juillet a été célébré dans différentes villes en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale également. Donc cette fête du 14 juillet fut également célébrée dans les colonies françaises, mais acquis chez des écrivains et intellectuels comme Bernard Dadier, Léopold Sédar Senghor et Ferdinand Oyonnax, que vous voyez ici, une autre signification, une signification revendicative et politique que celle choisie par le pouvoir colonial qui y voyait, dans la célébration du 14 juillet, en premier lieu, une célébration de l'unité nationale et de la grandeur militaire de la France. Dans le même sens, mais de différentes manières, Ferdinand Oyonnax et Léopold Sédar Senghor formulaient ainsi des contre-discours par rapport à la mise en scène et la signification officielle du 14 juillet commémorant la prise de la Bastille. Ferdinand Oyonnax raconte ainsi dans son roman « Le vieux nègre et la médaille » paru en 1956 la profonde humiliation ressentie par un ancien tirailleur africain. Après avoir reçu une médaille lors de la fête du 14 juillet en compensation symbolique du sacrifice de ses deux fils ayant combattu pour la France et du don de ses terres à des missionnaires, ce tirailleur africain dans Le vieux nègre et de la médaille croit aux paroles de l'administrateur français affirmant l'amitié et l'égalité entre les Blancs et les Africains. Mais quand il veut entrer dans le quartier européen après la célébration, il se voit traité comme un citoyen de second, voire de troisième ordre. Se sentant profondément humilié, il perd ses illusions et prend résolument ses distances par rapport au pouvoir colonial et ses fausses promesses. Léopold Sédar Senghor, que j'ai déjà évoqué, évoque également dans le poème liminaire de son cycle poétique « Hostie noire » consacré au tirailleur sénégalais mort pour la France, le peuple de France, je le cite, « ayant libéré ses mains et écrit la fraternité sur la première page de ses monuments ». Donc il décrit aussi l'envers colonial, de la médaille, c'est-à-dire des promesses républicaines. Il promet dans la deuxième strophe, de ce poème emblématique qui ouvre les hosties noires, de ne pas laisser, je le cite, la parole aux ministres et pas aux généraux, pour commémorer ses frères d'armes morts pour la France sur le champ de bataille. Il fustige, je le cite encore, les louanges de mépris qui leur sont adressées par des responsables français lors des célébrations du 14 juillet, par exemple. Et il s'engage à déchirer, je le cite encore, c'est le dernier vers ici, bon, c'est un extrait de ce poème-là. Il s'engage aussi à déchirer les rires banania sur tous les murs de France, faisant ainsi référence à une affiche publicitaire que vous voyez ici.
très répandu et bien connu en France entre la fin de la Première Guerre mondiale et la fin des années 1950. Elle montrait un tirailleur africain au large sourire, parlant apparemment un français très élémentaire, appelé français petit nègre à l'époque coloniale, comme la phrase « Ya bon banania » l'indiquait, incarnant une vision à la fois exotique, paternaliste et raciale de l'Africain à l'époque. Ces exemples, souvent basés sur des expériences personnelles et des récits autobiographiques, reflètent les contradictions et les ambivalences de la France républicaine et coloniale, le clivage profond entre les promesses républicaines et leurs valeurs d'une part, et les réalités coloniales d'autre part. Mais ils mettent aussi en relief ce que l'on pourrait appeler les conséquences paradoxales et émancipatrices de l'acculturation coloniale dans le contexte français. Donc j'insiste un peu là-dessus, sur cette particularité du colonialisme français, les conséquences paradoxales et émancipatrices de l'acculturation coloniale dans le contexte français. Pour de très nombreux intellectuels du monde non européen, l'Europe des Lumières, incarnée tout particulièrement par la France républicaine, ses valeurs et son modèle de civilisation, représentait au XIXe et au XXe siècle un modèle à suivre et à imiter. Cette position implique d'une part une profonde identification avec l'universalisme des Lumières et les valeurs qu'il avait formulées a priori pour tous les hommes de toutes les couleurs et de toutes les sociétés et cultures du globe. Elle implique également une focalisation sur les clivages entre les idéaux et les réalités, les promesses et les pratiques. Ce sont surtout les porte-paroles de la première génération d'intellectuels africains, maghrébins et antillais comme Aimé Césaire aux Antilles, Mouloud Feraoun dans son roman autobiographique « Le fils du pauvre » de 1950, Léopold Sédar Senghor, notamment mais pas uniquement dans le cycle poétique déjà cité « Hostie noire » de 1948, consacré au tirailleur sénégalais mort pour la France, mais aussi Léon Gontran Damas et Bernard Dadier, dans des poèmes comme « Ce que m'a donné la France », qui défendaient cette position. Mais aussi certains écrivains et intellectuels des générations ultérieures, comme Henri Lopez, né en République populaire du Congo. Elle opposait radicalement l'idéologie républicaine et la répression coloniale, basée sur la conviction fondamentale de la possibilité de pouvoir universaliser les valeurs occidentales héritées des Lumières et des révolutions américaines et françaises. Cette conviction et la reconnaissance des contradictions et des ambivalences qu'elle impliquait dans le contexte colonial français a également été au centre de la grande exposition que la Bibliothèque nationale de France a consacrée en 2006 à l'héritage des Lumières en France et en dehors de la France, dont Tsvetan Todorov, autour du livre « L'esprit des Lumières », avait été l'organisateur. Les exemples évoqués d'écrivains et d'intellectuels africains de l'époque coloniale retrace souvent dans des textes à caractère autobiographique leurs expériences d'une réalité coloniale contradictoire et oppressive. Mais ils illustrent aussi, comme nous l'avons vu, à travers leur prise de parole, les effets paradoxalement émancipateurs de l'acculturation coloniale et en particulier de l'enseignement colonial français que Zibok avait relevé dès son arrivée en Afrique, en l'occurrence en Tunisie, au printemps 1938. Toute une génération d'intellectuels, d'écrivains et de futurs hommes politiques africains avait été formée dans l'enseignement colonial et nombre parmi eux aussi étaient enseignants dans ce cadre institutionnel, comme Bernard Dadier ou Abdoulaye Sadji. Céline Labrune-Badiane, vous avez la référence ici, je vais prendre la citation tout à l'heure, donc deux historiennes, Céline Labrune-Badiane et Étienne Smith, soulignent à ce propos dans leur ouvrage
que je trouve tout à fait remarquable, les hussards noirs de la colonie, instituteurs africains et petite patrie en AOF, 1913 à 1960, la dynamique politique produite malgré et souvent contre les intentions du pouvoir colonial par le système éducatif implanté par la Troisième République française en Afrique subsaharienne et au Maghreb, notamment depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Je cite, au-delà de ces formes encadrées et officielles d'expression culturelle, un glissement s'opère dans l'expression littéraire, artistique et politique vers une critique de moins en moins feutrée et de plus en plus acerbe du pouvoir colonial. La trajectoire de l'ancien Pontin, c'est un élève de l'école normale de William Ponty à Gorée, Fodéba Keïta, illustre bien cette évolution. Pour Fodéba Keïta, qui publie ses textes dans Le Réveil, journal du Rassemblement démocratique africain, la poésie doit être mise au service de la lutte émancipatrice. Minuit et aube africaine, ce sont deux recueils qu'il a publiés, poèmes en prose destinés à être chantés, font référence pour le premier à l'exécution d'un fils de chef par les Français au moment de la défaite de Samori Touré et pour le second au massacre de tirailleurs sénégalais, d'ailleurs, retournant dans leur pays et réclamant des pensions égales à leurs confrères français. Donc c'était ça le massacre de Tiaroy en 1945. Fodéba Keïta propose un autre discours sur le passé de l'Afrique, se démarquant du discours colonial. J'arrive au deuxième point, l'universalisme républicain français, remise en cause, appropriation et contestation. Les porte-paroles et défenseurs contemporains de l'actualité de l'universalisme républicain issu de la Révolution française et du siècle des Lumières renouent avec un débat politique et social qui a constitué tout au long de la période coloniale le ferment intellectuel des mouvements démocratiques et indépendantistes. Ce débat s'est articulé au cours de ces dernières décennies à travers de nouvelles formes de protestation et des objectifs nouveaux. L'universitaire allemand Dietmar Huse montre dans son livre sur l'histoire et l'appropriation culturelle, sociale et politique du mouvement et de la musique rap en France, comment de nombreux textes de groupes de rap français contemporains thématisent cette contradiction entre les valeurs républicaines, liberté, égalité, fraternité, ainsi que les formes d'engagement et de responsabilité civique qu'elles impliquent d'une part, et d'autre part, la situation sociale explosive dans les banlieues des grandes métropoles françaises contemporaines. Ces groupes de rap ironisent sur le terme de « citoyen » et mettent en lumière dans leurs textes les fossés profonds existant aujourd'hui entre les réalités sociales des banlieues et les valeurs de la Révolution de 1789, présentes dans les manuels scolaires français, de même que lors des fêtes du 14 juillet et sur les frontons des mairies de France. Je prends un exemple, mais je ne vais pas m'attarder sur le rap parce que je voulais focaliser sur les textes autobiographiques, mais pour vous montrer qu'il y a d'autres médias où cette thématique a été articulée, et certainement des médias en partie beaucoup plus diffusés que les textes littéraires. Une chanson du groupe rap Assassin, composée de chanteurs et de musiciens d'origine maghrébine et africaine, tirée de l'album 11h30, contre les lois racistes parues en 1997 et depuis repris, remodelés. Donc ce que vous voyez là, c'est une des versions de cette chanson. On est un excellent exemple. Je cite juste quelques extraits. Donc c'est chanté sur un rythme rap que je ne vais pas reprendre ici, mais vous pouvez le regarder. Vous avez tout à l'heure, je vais vous donner le lien YouTube, vous pouvez l'écouter sur YouTube également. Une version un peu différente de celle-là, mais avec la même orientation, avec des paroles un peu différentes, mais les groupes rap changent souvent leurs textes. Alors,
on peut lire ceci, je ne veux pas faire de politique, ma mission est artistique. Mais quand je vois tout le trafic, on ne peut pas rester pacifique. Les lois qu'ils veulent mettre en application corroborent mon accusation. Trop de semblables pétant les plombs, pris dans le tourbillon de l'immigration, tout le pays expulse ses immigrés clandestins, c'est vrai. Mais la France a une autre responsabilité entre les mains. Les faits sont historiques. Le peuple français a fait couler son sang pour écrire, noir sur blanc, les bases d'une démocratie en Occident. Que les dirigeants s'en souviennent, attend que je les illumine. Droit d'asile pour les populations victimes de la misère du globe, combattre le racisme, le fascisme, le sexisme et toutes sortes de xénophobes. Il dit bien xénophobe, je pensais que c'était xénophobie, mais c'est comme ça dans la chanson. Autre exemple, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais pour vous dire qu'il y a d'autres médias, des films comme « La faute à Voltaire », tourné en 2001 par le réalisateur franco-maghrébin, ou tunisien plutôt, Abdelhadif Kechiche, viennent compléter le tableau de cette situation contradictoire et explosive. Ce film met en scène le destin d'un immigrant tunisien en France, espérant, comme il le dit au début du film, obtenir l'asile politique, je le cite, dans le pays de Voltaire, mais qui se voit expulsé de France sans aucune prise en compte de sa situation personnelle. La position culturaliste qui est reflétée, fictionnalisée et commentée dans de multiples discours littéraires et médiatiques représente une importante composante des discours postcoloniaux contemporains s'opposant radicalement à l'universalisme occidental comme il est représenté dans le contexte colonial et postcolonial francophone par l'universalisme français républicain. Cette position anti-universaliste et culturaliste connut un premier essor, d'abord à ses balbutiants, dans le contexte des mouvements anticolonialistes anticolonialistes des années 1940 à 1950. Depuis la révolution iranienne en 1978, on peut observer un second seuil d'évolution de cette position se réclamant de plus en plus de valeurs non occidentales, voire radicalement opposées à celles de l'Occident et liées à des valeurs religieuses provenant de l'islam, mais aussi d'autres traditions religieuses et culturelles. Cette position se reflète notamment dans la African Charter of Human Rights de 1981, soulignant l'existence de valeurs africaines, de African values, et visant à renforcer l'indépendance nationale. Une troisième étape des résistances non européennes à l'universalisme occidental, républicain, issu des Lumières, se dessine enfin avec le renouveau islamique et l'essor économique et politique massif de la Chine depuis les années 1990. Dans la Cairo Declaration on Human Rights in Islam de 1990, les 50 États membres de la conférence islamique soulignaient en particulier la prédominance absolue de la charia religieuse sur toute autre forme de droit prétendument universel. Je cite, « La charia islamique est la seule référence pour l'explication de chacun des articles de cette déclaration. » Donc, c'est la Cairo Declaration on Human Rights in Islam. Précise l'article 25 de cette déclaration de 1990. La Bangkok Declaration de 1993 opposa pour sa part des valeurs asiatiques aux valeurs occidentales et soulignant face au mode d'ingérence qu'implique la Déclaration des droits de l'homme des Nations Unies et l'universalisme occidental, le principe de non-interference in the eternal affairs of states, de la non-interférence, de la non-intervention dans les affaires internes des États.
sous prétexte, entre guillemets, de vouloir défendre les droits de l'homme. La Chine oppose, en effet, de manière parfois très provocatrice, des valeurs chinoises se réclamant du double héritage du confucianisme et du marxisme-léninisme aux valeurs occidentales issues de l'héritage des Lumières, en utilisant, dans la traduction vers les langues occidentales, les mêmes termes de lumière, de liberté et d'égalité, tout en leur donnant un sens radicalement différent et nouveau. Tsvetan Todorov, que j'ai déjà cité, donc Tsvetan Todorov, linguiste et organisateur de la grande exposition sur l'héritage du siècle des Lumières à la Bibliothèque de France en 2006, a défini cette configuration culturaliste de relativisme radical. Il en a montré de manière très engagée les enjeux et les défis actuels dans son livre « L'esprit des Lumières » paru en 2006 et à partir d'une position foncièrement critique. Donc je vais juste prendre quelques phrases de son texte qui me paraît toujours d'actualité, peut-être plus d'actualité qu'à l'époque même, en 2006. « L'universalité ne justifie pas l'usage de la force en dehors de toute loi. » Mais à l'inverse, le respect de chacun ne signifie pas que les normes communes n'ont pas lieu d'être. Pour être profondément ancré dans les traditions d'un pays étranger, certaines pratiques ne méritent pas moins condamnation. L'excision en est un exemple. Il en va de même des violences infligées aux femmes, autres traditions, entre guillemets, bien répandues, ou encore des mauvais traitements infligés dans les prisons ou des atteintes portées à la liberté d'expression. Considérer que toutes ces pratiques se valent revient, sous couvert de tolérance, à renoncer à l'unité de l'espèce et en fin de compte à juger les autres comme incapables ou indignes de bénéficier du même traitement que celui qui nous est réservé. L'égalité des droits n'est pas négociable. Bon, je vous laisse lire le reste ou survoler le reste. La deuxième configuration que j'ai déjà évoquée pourrait être qualifiée de culturaliste et se trouve représentée, par exemple, par l'intellectuel camerounais Célestin Monga et l'écrivain ivoirien Amadou Kourouma. La vision culturaliste de l'universalisme occidental que les deux auteurs représentent à travers des œuvres elles-mêmes très différentes met en lumière l'impossibilité d'un simple transfert, d'une universalisation ou d'une application conséquente sur le plan politique de notions, de modèles et de valeurs occidentales dans des sociétés et cultures très différentes. Autrement dit, de postuler la démocratie comme modèle occidental ne peut pas fonctionner partout et surtout pas dans le monde non européen qui a d'autres valeurs, d'autres traditions, etc. Cette position implique une critique explicite dans le cas de Monga et implicite dans celui de Kourouma de l'universalisme occidental tel qu'il est représenté de manière exemplaire par le républicanisme universaliste français. Ces deux intellectuels et écrivains montrent en effet de manière extrêmement concrète et pertinente que des notions comme liberté et égalité peuvent bien être transférées dans d'autres cultures, de l'Occident ou de la France vers d'autres cultures, mais qu'elles recouvrent là des significations très différentes dans d'autres aires culturelles comme le continent africain. Elle s'y trouve intégrée dans des imaginaires spécifiques impliquant des conceptions de l'autorité, de l'individu, de l'autonomie, de la personnalité, de la violence et de la légitimité du pouvoir, radicalement différentes des conceptions occidentales et foncièrement incompatibles avec les idéaux des Lumières et de la Révolution française. Des notions occidentales comme liberté, démocratie et droit de l'homme, avec les idéaux et les pratiques qu'elles impliquent, ne correspondent pas aux mentalités et cultures africaines, tel est le constat désabusé de Kourouma, au moins notamment dans son ouvrage « Allah n'est pas obligé »,
où il articule ce constat désabusé à travers la fiction littéraire. Et si ces idées et ces notions sont transférées, elles sont, selon la vision de Kuroma, corrompues et détournées selon les intérêts partisans et politiques. Ce roman, Allah n'est pas obligé, paru en l'an 2000, d'Amadou Kuroma de la Côte d'Ivoire, que je vais rapidement évoquer, en constitue un exemple particulièrement significatif. Ces textes d'écrivains non occidentaux mettent en même temps en lumière le rôle important, voire essentiel, de la fiction littéraire au sens large du terme, incluant également les genres de l'essai et du récit de voyage pour saisir les tensions interculturelles contemporaines. Donc je prends ce roman comme exemple, mais assez rapidement. Le roman de Kuroma, Allah n'est pas obligé, couronné en l'an 2000 en France par le prestigieux prix Renaudot, ainsi que par le prix Goncourt des lycéens, plonge son lecteur dans la Côte d'Ivoire des années 1990 et l'entraîne vers le Libéria et la Sierra Leone, dévastés tous deux par la guerre civile. Réalité sociale, donc. Il parle de réalité sociale, même s'il y a beaucoup de fiction dans ce roman. Au centre de l'action se trouve le narrateur Biraïma, âgé d'une douzaine d'années au début et de 14-15 à la fin, et l'un des membres de sa famille nommé Yakuba, un contrebandier, fabricant de fausses monnaies et magicien à la fois, chargé d'emmener Biraïma et sa tante Mahan, vivant au Libéria. Il espère en même temps profiter de la guerre civile pour réaliser des affaires douteuses mais profitables. Tous deux appartiennent, comme Kuroma lui-même, au peuple des Malinké. Parvenus à la frontière libérienne, ils tombent dans une embuscade et sont contraints de se rallier au Fonds patriotique de libération du Libéria de Charles Taylor, qui est un personnage historique qui a réellement existé. Biraïma devient alors enfant soldat et apprend vite à manier un fusil Kalachnikov. Yakuba devient, lui, féticheur. Au cours des différentes péripéties de cette guerre civile au Libéria, les deux protagonistes sont faits prisonniers plusieurs fois et changent de camp. Donc je passe sur des détails. Il fait ainsi évoluer son narrateur, donc Biraïma est en même temps le narrateur de ce roman. Le personnage principal est le narrateur de ce roman. Il fait ainsi évoluer son narrateur entre différents niveaux linguistiques, en particulier entre le français standardisé et différentes variantes du français africain. Il s'est intégré habilement tout au long de son roman de longs passages historiques fournissant au lecteur des informations précises sur le contexte historique. Constamment muni de dictionnaires, notamment du Larousse et de Petit Robert, qui lui servent à traduire, à transcrire et à conceptualiser ses idées et son vécu dans une autre langue que sa langue maternelle, c'est-à-dire le français. Le protagoniste du roman se voit fréquemment confronté dans ses rencontres avec les mouvements politiques rebelles, s'affrontant au Libéria et au Sierra Leone à des notions issues de l'universalisme des Lumières et transférées dans le contexte des guerres civiles africaines. Il est souvent question de démocratie. Alors, Biraïma, qui ne connaissait pas ce terme-là, regarde ce que ça veut dire. Alors, différentes définitions. Telle démocratie, liberté, générosité, patriotisme, sacrifice pour la patrie, ou encore éthique, qui sont utilisées par les leaders politiques, comme le prince Johnson au Libéria, afin de légitimer leurs actions extrêmement violentes. Et les deux, Prince Johnson était un dictateur, un leader extrêmement violent. La perception du protagoniste en ce qui concerne le transfert et la réception des valeurs occidentales, en particulier de l'universalisme des Lumières, est extrêmement désabusée et cynique. Colty note par exemple que Valentin Strasser, c'est aussi un personnage historique, le chef d'un mouvement révolutionnaire au Sierra Leone,
je cite, « joue le jeu de la démocratie, autorise les partis politiques et organise une conférence nationale. Il souligne en même temps que ce n'est pas fondé sur des convictions ni sur des réalités politiques, mais sur un pur calcul machiavélique visant à gagner l'appui de la scène médiatique internationale afin de renforcer sa propre position et de tenter de discréditer l'adversaire. » Les deux configurations que nous venons d'esquisser, celle d'une appropriation critique de l'universalisme républicain et occidental et celle de son refus radical, que j'ai appelé culturaliste, sont très différentes. Elles marquent deux positions quasi antagonistes face au caractère universaliste des valeurs occidentales, des Lumières et leur possible ou impossible transfert dans des aires culturelles non occidentales. Si la seconde position que je propose d'appeler culturaliste, incarnée par exemple par Célestin Monga, par Kuruma, caractérise sans doute les positions de nombreux intellectuels maghrébins, africains et antillais aujourd'hui, malgré les problèmes de récupération politique qu'elle pose, la première semble représenter majoritairement celle des mouvements sociaux, politiques et intellectuels liés à l'immigration en France, au Canada et de nombreux autres pays occidentaux. Effaçant certains défis et problèmes interculturels de transfert, de traduction, de différence de système de valeurs, cette position universaliste militante et revendicatif, comme on pourrait la définir, semble offrir, notamment dans le contexte actuel des mouvements sociaux et politiques liés à l'immigration en Europe et en Amérique du Nord, des champs d'action nettement plus directs et plus prometteurs. La littérature fictionnelle, au sens large du terme, incluant également la culture de masse, c'est-à-dire des chansons, des films que j'ai évoqués, des pratiques performatives liées au rap, par exemple, s'y est taillée une place importante. Elle y est devenue, à cause des déficiences partielles d'autres médias de masse comme la presse d'information, de plus en plus incontournable. J'arrive au troisième point que j'ai appelé « valeurs républicaines et récits d'immigration ». Donc je vais venir tout à l'heure à Laila Slimani. Prenons afin d'illustrer la position d'une appropriation critique et revendicative du républicanisme français dans le contexte contemporain, trois exemples de récits autobiographiques liés à l'immigration contemporaine et à la diaspora africaine et maghrébine en France. Premier exemple, Laila Slimani, la lecture du court récit autobiographique Simone Veil, Mon héroïne, paru en 2017 de Laila Slimani, évoque une reprise actuelle et contemporaine et en même temps forte foncièrement féministe des positions défendues d'une autre manière par Bernard Dadier plus de 60 ans auparavant dans un tout autre contexte historique. La figure majeure d'identification pour Laila Slimani, qui est sans doute aujourd'hui l'écrivaine et peut-être aussi l'intellectuelle, on a discuté tout à l'heure de ça, maghrébine immigrée en France la plus connue et la plus influente depuis son obtention en 2016 du prix Goncourt pour son roman « Chanson douce », n'est pas un représentant, donc sa figure d'identification n'est pas un représentant de la résistance ou un écrivain engagé du 18e ou du 19e siècle, comme c'était le cas pour Bernard Dadier, vous vous rappelez Voltaire, Balzac, Gabriel Péri, etc. Mais c'est la femme politique et intellectuelle française Simone Veil, d'origine juive, déportée à l'âge de 16 ans avec sa famille à Auschwitz-Birkenau et survivante de l'Holocauste. Simone Veil mena comme ministre de la Justice en France et comme présidente du Parlement européen dans les années 1970 à 90 un combat acharné pour l'émancipation des femmes dans tous les domaines et en particulier pour le droit à l'avortement. Donc là j'ai quelques citations. Elle dit « C'est mon héroïne à moi », écrit Laila Slimani, qui affirme avoir accroché une photo de Simone Veil au-dessus de son bureau et avoir été fascinée par la lecture de son autobiographie « Une vie ».
Elle a été notre avocate, écrit-elle, en utilisant un « nous » inclusif, se référant aussi bien aux femmes françaises qu'aux femmes immigrées et celles de la diaspora, ainsi que plus largement à toutes les femmes du globe. Elle a plaidé notre cause avec rigueur et une intelligence politique hors du commun. Son féminisme était pragmatique et son engagement pour la législation de l'avortement a aussi été mené comme une lutte sociale. » Fin de citation. Leila Slimani met d'emblée l'accent, comme le fait Dadier aussi, sur les contradictions en France entre promesses républicaines et réalités politiques et sociales, mais cette fois d'un point de vue résolument féministe et aussi de femmes immigrées, en comparant la France d'il y a 60 ans, celle des débuts de la carrière de Simone Veil, au Maroc contemporain. Elle écrit « La France d'alors ressemble en grande partie à une grande partie du monde aujourd'hui. Dans mon pays, le Maroc, des centaines d'avortements clandestins sont pratiqués chaque jour. Simone Veil était en effet née, Leila Slimani, dans une France, je la cite encore, où les femmes n'avaient pas le droit de vote, où les épouses demandaient à leur mari l'autorisation d'avoir un compte en banque, de posséder un chéquier, où l'on ne pouvait pas acheter la pilule, où l'on cachait les filles mères, où les enfants sans père s'appelaient des bâtards, et où les maris exerçaient une forte pression pour que leurs épouses ne fassent pas d'études et n'exercent pas de profession. Tout ceci dans un pays qui se vantait d'être... Tout ceci dans un pays qui se vantait d'être une démocratie exemplaire depuis la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1789 et la proclamation de la Première République française en 1792 et de prôner l'idéal de l'égalité. À partir de sa propre expérience et de son propre combat d'écrivaine et de journaliste franco-marocaine, Leila Slimani rend ainsi hommage à Simone Veil en considérant son engagement et les valeurs qui le sous-tendent comme universelles. Je cite encore, c'est la dernière citation. « Depuis qu'elle est morte, des milliers de femmes disent merci à Simone Veil, car grâce à elle, les Françaises n'ont plus à vivre cette humiliation. » Mais son exemple doit nous obliger et nous interdire de fermer les yeux. La barbarie ne meurt jamais, disait-elle, elle est toujours tapie quelque part. Et il faut, malgré la peur, malgré nos lâchetés, croire qu'il n'est pas insensé de se battre, ouvrir les yeux et le cœur comme elle nous l'a appris. Leila Slimani représente sans doute parmi les intellectuels et écrivaines de la diaspora contemporaine en France celle qui défend avec le plus d'engagement et de virulence les valeurs républicaines de tradition française. En même temps, elle reste foncièrement critique par rapport aux réalités sociales et politiques de la France contemporaine et défend des positions résolument féministes. Dans son ouvrage largement autobiographique, « Le diable est dans les détails », en partie rédigé en 2015, quelques mois après les attentats contre la rédaction de Charlie Hebdo, elle écrit ainsi, sur un ton très engagé, dans un chapitre intitulé « Intégriste, je vous hais ». Elle écrit ceci, bon, je prends quelques passages. « Je n'ai qu'une chose à dire aux barbares, aux terroristes, aux intégristes de tout poil, je vous hais. Nous nous devons d'être entiers, d'avoir du panache. » D'être vraiment français, nous devons le dire à nos prétendus alliés saoudiens, qataris et à tous les pays musulmans où chaque jour gagnent du terrain les conservateurs, les arriérés, les misogynes. Comment expliquer à nos enfants que nous combattons les barbares alors que nous nous allions à des gens qui crucifient les opposants et lapident des femmes? Comment leur expliquer que nous sommes tués pour nos valeurs de liberté, de féminisme, de tolérance, d'amour de la vie humaine, quand nous nous révélons incapables de défendre ces valeurs. Donc je vous laisse lire le reste de cette citation. D'autres récits autobiographiques issus de la diaspora contemporaine, donc j'arrive à deux derniers exemples, comme ceux de l'écrivaine et sociologue
Kaouta Archi, d'origine marocaine, dans son ouvrage « Comme nous existons », paru en 2021, ou de l'écrivain et metteur en scène d'origine algérienne Mehdi Sharef, focalise des milieux sociaux très différents de celui de Laila Slimani. Par exemple, celui des immigrés ouvriers dont ces deux écrivains sont issus. Laila Slimani, je dis, c'est un autre milieu. Elle est fille de médecin, elle a pu faire des études. Donc c'est un autre milieu que ce milieu dont parle dans le récit autobiographique Kaouta Archi et Mehdi Sharef. Par exemple, dans les milieux comme celui des immigrés ouvriers, dont les deux écrivains sont issus, celui aussi des violences policières, mais également celui des dealers de drogue et des banlieues populaires. Et il cible non pas des événements majeurs, comme celui des attentats contre Charlie Hebdo en 2015, mais plutôt des violences urbaines, comme celle de 2005, qui joue un rôle important dans le récit autobiographique « Comme nous existons » de Kaouta Archi. Les deux œuvres, l'autobiographie mentionnée de Kaouta Archi et la trilogie autobiographique que Mehdi Sharef a publiée entre 2018 et 2021, constituent des récits d'une ascension sociale. Kaouta Archi, née en 1988, devenue chercheuse en sociologie et en même temps écrivaine, et fille de parents originaires des campagnes marocaines, émigrée en France et employée par une agence d'intérim pour faire des ménages. Et Mehdi Sharef, né en 1952 en Algérie et immigré en France en 1962, est fils d'un maçon qui avait quitté l'Algérie, à l'époque encore française, à la fin des années 1950, pour chercher une vie meilleure en France. Mehdi Sharef est devenu, comme vous savez peut-être, après son roman « Le Théorème d'Archi Ahmed », paru en 1983 et mis à l'écran par lui-même en 1984, le premier écrivain et metteur en scène beurre en France, devenu pour toute une génération d'immigrés maghrébins un porte-parole dans les médias de la littérature et du film. Aussi bien Mehdi Sharef que Kaouta Archi doivent leur ascension sociale à l'école républicaine française par laquelle ils réussirent brillamment grâce à leur talent et leur passion pour l'univers de l'écriture et de la lecture, ainsi que dans le cas de Sharef, pour le cinéma. Les deux auteurs considèrent l'écriture comme un moyen par excellence pour témoigner et transmettre leur propre expérience, celle d'une vie en marge de la société française, dans les HLM d'une banlieue de Strasbourg pour Kaouta Archi et dans les bidonvilles de Nanterre, puis dans la cité HLM de Gennevilliers, dans la banlieue nord de Paris pour Mehdi Sharef. Ils témoignent des mensonges et des illusions nourries par leurs parents qui n'osèrent jamais admettre auprès des membres de leur famille restés au Maghreb la misère de leur vie et les conditions d'habitation dans lesquelles ils se trouvent en France, préférant jeter, je cite Archi, préférant jeter un voile pudique sur leur vie. Ils faisaient ainsi miroiter l'image, je cite encore Kaouta Archi, que tout va pour le mieux. En vérité, écrit-elle, mes parents mentaient. Tout était recouvert par le mensonge. Ils mentaient si sincèrement. La sincérité des innocents qui, mentant, luttaient pour conserver un sens à leur vie. Et sa mère, ajoute-t-elle, vivait dans l'illusion de la grandeur, de l'égalité de l'institution scolaire. Les deux auteurs témoignent aussi de discrimination et de préjugés à leur égard, Kaouta Archi avec un ton plus militant, et Mehdi Sharef de manière plus subtile, attaché à des détails, comme ses bottes pleines de boue qui le stigmatisaient pendant des années, pendant les premières années de sa vie en France, auprès de ses camarades de classe, comme un habitant des bidonvilles. Pour Kaouta Archi, le cadeau fait par une enseignante d'un ouvrage sur le Maghreb, dont on n'apprend pas le titre, on apprend juste que c'est une histoire de ton peuple, c'est-à-dire du
du peuple de Kaouta Archi, qui est maghrébine. Donc pour Kaouta Archi, ce cadeau fait par une enseignante d'un ouvrage sur le Maghreb, qu'elle lui a dédicacé comme suit à ma petite arabe qui doit connaître son histoire. C'est ça que l'enseignante écrit dans ce livre. Ceci fait partie de ces louanges de mépris paternalistes qu'elle récuse avec la même violence que 60 ans auparavant Léopold Sédar Senghor dans son cycle poétique Ostinoir. Vous vous rappelez cette citation, les louanges de mépris des ministres français à l'égard des tirailleurs sénégalais, auxquels justement au ministre Senghor se substitue lui-même comme poète et comme griot à ses ministres et leurs louanges de mépris. Et aussi bien Mehdi Sharef que Kaouta Archi décrivent avec une grande empathie des formes de solidarité familiale successivement étendues à des liens de solidarité au sein des quartiers où ils vivent. Ces liens de solidarité leur procurent un sentiment rassurant de sécurité matérielle et mentale, jetant un regard particulier et très différencié sur ce qui est désigné parfois de manière globale et négative aujourd'hui par la société française comme communautarisme. Mais ce qui réunit fondamentalement les récits de ces deux auteurs, auxquels on pourrait ajouter de nombreux autres, mais je vais me limiter à ceux-là, c'est leur conviction profonde que leur ascension sociale et leur prise de conscience critique a été rendu possible essentiellement par l'institution scolaire républicaine. S'y ajoute une mise en avant de l'importance de la liberté d'expression et de manifestation dont ils soulignent l'existence en France, contrairement à leur pays d'origine, l'Algérie et le Maroc. Les récits autobiographiques de Kaouta Archi et de Mehdi Sharef constituent enfin des témoignages essentiels sur l'importance de la lecture et sur la généalogie, sur l'émergence de l'écriture personnelle pour laquelle l'école française, et en particulier certains professeurs engagés, ont su les motiver fortement. Les deux auteurs ont lu des auteurs très différents. Mehdi Sharef, notamment le roman « Les Misérables » de Victor Hugo, qui l'incita à s'identifier fortement avec le personnage de Jean Valjean. Tandis que pour Kaouta Archi, la lecture de l'ouvrage « La double absence des illusions de l'émigré aux souffrances de l'immigré » paru en 1999 du sociologue algérien Abdelmalek Sayad, ainsi que le roman « La voyeuse interdite » de Nina Barraoui et « La répudiation » de Rachid Boudjedra ont joué un rôle catalyseur pour sa propre prise de parole publique. Celle-ci s'effectua pour Mehdi Sharef de manière complémentaire dans les médias de la littérature, fictionnelle et autobiographique, et du film. C'est un des rares auteurs qui a tourné en même temps constamment des films. Ils ne sont pas fréquents. Il y a l'exemple d'Ousmane Sembène en Afrique subsaharienne, mais il n'y a pas beaucoup d'exemples comme ça. Et pour Kaouta Archi, parallèlement dans le discours littéraire et dans le discours sociologique. Écrire comme écrivaine ou, dans un autre type de discours, comme sociologue, représente à ses yeux une, je la cite, « magie » pour rendre compte de tout ce qui avait été vécu, entendu, éprouvé, de ses propres expériences fondamentales biographiques qui ne s'effacèrent jamais de la mémoire. Pour Mehdi Sharef, c'est également l'école française qui fut à l'origine de son écriture littéraire, puis parallèlement de sa prise de parole cinématographique. Au collège de Nanterre, un enseignant engagé nommé Raffin l'avait, je le cite, désigné pour faire la lecture dans la classe, ce dont il était très fier. Je le cite encore, car bien d'autres camarades mis à l'essai ont été écartés. Les rédactions en classe, pour lesquelles les élèves pouvaient eux-mêmes choisir le sujet, incitent le jeune Mehdi Sharef à écrire par la suite dans des cahiers personnels, avec toujours fondamentalement le même sujet. Je le cite, « Certains élèves écrivent sur le sport, d'autres sur le film qu'ils ont vu dimanche ou sur leur chien, leur chat. Moi, je n'écris que sur moi », note-t-il.
au début du premier volume de cette trilogie autobiographique intitulée « Rue des Pâquerettes ». Et je cite encore « Je suis le héros de toutes mes rédactions ». Ce n'est pas le cas de tous ses films, de tous ses livres, mais son propre vécu est tout à fait central. Donc j'arrive à la fin, je vois que le temps passe, donc je vais un peu raccourcir. Alors j'ai appelé ça « Questionnement et conclusif de l'interrogation de l'universalisme républicain au pouvoir de la littérature ». Cette communication visait à mettre en lumière de quelle façon les littératures africaines contemporaines, et notamment celles de la diaspora intellectuelle africaine, reflètent, commentent et font également avancer de manière souvent cruciale les débats coloniaux et postcoloniaux très actuels liés à la question de l'universalisme occidental dans son expression française et républicaine. L'émergence des droits de l'homme au XVIIIe siècle et leur réaffirmation par la France républicaine, mais aussi la France coloniale de la Troisième et de la Quatrième République, étaient étroitement liées à l'affirmation de l'individualisme en Europe qui a trouvé son expression littéraire la plus adéquate dans le roman autobiographique, ou plus spécifiquement de formation, ce qu'on appelle en allemand le Bildungsroman, comme l'a montré l'historienne américaine Lynn Hunt dans son livre stimulant « Inventing Human Rights a History ». Leur transfert et leur traduction dans d'autres sociétés et cultures non occidentales contemporaines se reflètent, ou plutôt sont négociés comme nous l'avons vu, dans de multiples fictions postcoloniales, adoptant souvent la forme de récits autobiographiques réels ou fictionnels, comme c'est le cas du roman de Kuruma que nous avons évoqué. Le sociologue et historien américain Immanuel Wallerstein conclut à cet égard son livre « L'universalisme européen, de la colonisation au droit d'ingérence » en diagnostiquant la fin d'une ère politique et culturelle qui avait commencé il y a 500 ans avec la première phase de la colonisation, de la globalisation, mais aussi de la colonisation européenne. Donc je vous laisse la citation. On pourrait déduire de ce diagnostic, peut-être trop rapidement, que l'universalisme des Lumières, et en particulier l'universalisme républicain français, est révolu et a été profondément mis en cause par ses liens avec l'expansion coloniale et les conflits politiques, militaires, sociaux et interculturels de l'époque postmoderne que le colonialisme a entraîné dans son sillage depuis l'époque des indépendances. Mais on peut aussi défendre, comme de nombreux écrivains africains et aussi certains auteurs de la diaspora africaine et maghrébine en Europe, comme Mehdi Sharef et Kaoutar Archi, le font une position opposée. Celle-ci est moins à la mode aujourd'hui intellectuellement que la critique de l'universalisme et pour certains moins politiquement correcte parce qu'elle implique une certaine identification, certes critique et distanciée, avec des valeurs provenant largement de l'Occident ainsi qu'une nouvelle mise en perspective du colonialisme français, de ses ambivalences et de ses contradictions. Mais cela n'empêche pas que cette position anticulturaliste et par certains côtés universaliste soit d'une actualité brûlante, comme des écrivains comme Laila Slimani et Mehdi Sharef l'affirment. On peut la définir comme un universalisme critique qui rejoint par certains aspects le concept d'universalisme latéral conçu par Maurice Merleau-Ponty et repensé par le philosophe sénégalais Bachir Souleymane Diagne. La littérature fictionnelle, et en particulier les genres littéraires autobiographiques, me semblent occuper dans ces débats actuels un rôle important, au même titre et peut-être plus encore que le média du film, de la musique et du journalisme. Vouloir l'analyser présuppose, comme nous avons essayé de le montrer, d'abord une approche comparatiste et transculturelle de la littérature, puis un recours à des concepts et des approches théoriques qui dépassent la théorie littéraire et concernent en particulier la théorie des transferts culturels, la communication interculturelle, les études culturelles et l'anthropologie.
Nous avons choisi dans cette conférence d'avoir recours largement à des textes littéraires, fictionnels, autobiographiques, et non pas à d'autres types de discours. J'aurais pu aussi parler de films, un peu moins de rap, parce que je ne suis pas spécialiste de ça, mais ça aurait été un autre objet pour illustrer mon argumentation. Cela ne va certes pas de soi et nécessite une réflexion conclusive, très rapide. La littérature paraît en effet incontournable sous plusieurs aspects dans le contexte contemporain de la globalisation et des défis de la responsabilité civique et de la réception transculturelle des valeurs attachées à l'universalisme occidental, renvoyant ainsi à la question posée en 1947 par Jean-Paul Sartre, qu'est-ce que la littérature, quelles sont les fonctions et les pouvoirs de la littérature ? La littérature, plus que d'autres formes culturelles et médiatiques utilisant la fiction, est devenue, comme le souligne notamment le journaliste allemand Hans-Christoph Buch dans ses réflexions sur Laocoon ou les frontières du journalisme et de la littérature, un contre-discours important face aux évolutions du discours journalistique et médiatique. Ce dernier se trouve en effet de plus en plus focalisé sur l'événementiel, le sensationnel et l'éphémère, et fait ainsi abstraction de ces dimensions essentielles de la connaissance de l'autre que sont le temps d'écoute, d'observation et de connaissance. Laila Slimani, qui affirme que, je la cite, « la littérature est absolument essentielle à la vie démocratique », considère dans cette perspective, je la cite encore, qu'aujourd'hui, la littérature est aux antipodes de la langue politique. Et cela n'a sans doute pas toujours été le cas. Mais nos politiques ont, me semble-t-il, une langue très pauvre bureaucratique. Leur rhétorique est bien souvent simpliste, leurs références inexistantes ou banales. Même s'il y a, comme Laila Slimani l'admet, certaines exceptions, telle l'ancienne ministre française de la justice originaire de la Guyane, Christine Taubira. En opposant la figure de l'écrivain et la figure du reporter, de plus en plus pressé, et de l'expert, à qui fait souvent défaut la connaissance intime de terrain, des journalistes comme Hans-Christoph Buch en Allemagne et Richard Kapuscinski en Pologne, qui ont certes été parmi les meilleurs journalistes occidentaux témoignant sur l'Afrique pendant ces dernières décennies, considèrent la littérature fictionnelle ou semi-fictionnelle et autobiographique comme le média par excellence de l'empathie et du dialogue interculturel, souvent difficile avec l'autre. Par rapport au rôle potentiel important que la littérature est susceptible de jouer comme média de connaissance de l'autre, Kapuscinski critique la tendance contemporaine de très nombreux écrivains occidentaux, et notamment de ceux qui occupent le devant de la scène littéraire et recueillent les grands prix littéraires, à trop se détourner des conflits et des problèmes politiques et sociaux en se focalisant sur les éternels, mais souvent anodins, conflits intimes et passionnels. Enfin, deux phrases pour terminer. Enfin, et considérée dans cette perspective, la littérature fictionnelle ou semi-fictionnelle, comme la littérature autobiographique l'est, constitue peut-être dans nos sociétés le seul média à pouvoir rendre compte de manière adéquate des expériences limites, des traumatismes, des guerres, des conflits, des massacres dont les images médiatiques n'arrivent le plus souvent qu'à saisir la surface seulement des réalités vécues. L'imagination, nourrie d'expériences réelles et d'observations du terrain, de témoignages et de dialogues, paraît dans ce sens incontournable afin de reconstruire à la fois des réalités sociales et les modes de perception individuels des acteurs. Voilà, merci beaucoup. C'était un peu plus long, mais bon. Nous vous remercions, professeur Lusoprink, pour cette
cette conférence extrêmement précise sur des questions et transversales, hein, sur des questions profondes qui nous concernent au premier chef, nous qui travaillons sur la diaspora et les représentations de l'autre. Je vous remercie aussi pour cette forme d'histoire littéraire, parce que vous avez balayé vraiment presque toute la littérature francophone, de la période coloniale à la période contemporaine. Vous êtes parti de l'Afrique subsaharienne au Maghreb. Vous avez abordé aussi par moments le cinéma, notamment avec Mehdi Sharef. Donc cette perspective à la fois sur la question des genres, sur la question des discours, sur la question des imaginaires, sur le discours littéraire finalement, à la fin, l'importance et la place du discours littéraire, a permis aussi de mettre en perspective la continuité ou parfois la discontinuité d'un imaginaire, de cette contradiction entre les idéaux de universalistes et républicains et finalement la réalité on va dire les pratiques et la réalité du terrain ou la réalité politique. On pourra bien entendu revenir sur un certain nombre de questions que vous avez soulevées ou sur des de propositions émise tout au long de votre exposé. Je ne sais pas si... donc, je vais d'abord transmettre la parole au public. Si vous avez des questions sur tel ou tel aspect de la conférence, et puis peut-être, en dernier ressort, poser moi-même une ou deux questions. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Là, il y en a plusieurs, oui. Le monsieur et... Allô? Oui, c'est bon. Bonjour, cher professeur. Bonjour à toute l'assistance. Je m'appelle Seydina Ababoukar Diop, doctorat invité du LAM. En fait, moi, j'avais une préoccupation selon laquelle je voudrais m'adresser au professeur en lui posant cette question. En fait, quel est le rapport que vous allez faire entre ceux qui ont précédé les mouvements sociaux contemporains, c'est-à-dire, je fais allusion notamment au mouvement Négritude, les Senghor, les Césaire, et les mouvements sociaux contemporains qui sont aujourd'hui d'être perpétrés un peu partout en Afrique. Je veux parler notamment de Yanamar au Sénégal, sur Balé au Burkina Faso, etc. Quel est le parallélisme que vous allez faire entre ces deux générations face à ce que vous appelez aujourd'hui le fossé entre les valeurs républicaines, qui sont vendues un peu partout par la République française Et la réalité du terrain en tant que telle. Quel est le parallélisme que vous allez faire entre ces deux générations-là, qui a apporté une touche beaucoup plus dynamique face à ce fossé entre les valeurs républicaines et la réalité du terrain en tant que telle. Je vous remercie. Oui, merci pour la question. Je ne sais pas si je vais établir des parallèles entre les deux. Ce sont quand même des configurations très différentes. Il faut dire aussi que je ne suis pas sociologue, ni observateur des mouvements sociaux au Burkina Faso actuel. Je suis ça à travers les médias, mais j'établirai pas de parallélisme direct entre les deux. Ce sont deux contextes très différents. Il faudrait observer de près, peut-être vous avez vous-même des réponses à ça. Moi, je vois en ce moment, je ne vois pas de porte-parole intellectuels, des écrivains par exemple, qui représentent des mouvements sociaux. Bon, il y a des intellectuels comme Mbembe par exemple,
mais je ne le vois pas tellement lié directement à ces mouvements-là. Moi, je n'établirai pas de revendications directes. Je ne sais pas dans quelle mesure la conception de démocratie qui est défendue par les mouvements sociaux actuellement, par exemple au Burkina Faso, sont portées par un modèle de démocratie à l'occidental. Je n'ai pas suffisamment d'informations pour pouvoir les juger en ce moment. Ce sont des mouvements contestataires, c'est très net, des mouvements qui s'insurgent contre une situation donnée, mais dans quelle mesure ils se réfèrent à des modèles démocratiques. J'ai aussi quelques doutes là-dessus, mais bon, les situations sont très compliquées en ce moment. Ça, c'est dans quelle mesure des puissances comme la Russie interviennent, qui est certainement pas, c'est plutôt le contraire d'une démocratie, ou la Chine interviennent dans ces mouvements-là, dans quelle mesure il y a une certaine autonomie de ces mouvements. Je crois qu'il faut prendre plus de recul. Moi, je suis également historien. Il faut prendre plus de recul pour répondre à votre question. Peut-être attendre quelques années, voir émerger des porte-paroles, voir l'évolution des choses. En ce moment, on est trop prêt pour pouvoir juger de cela. Peut-être aussi parce qu'il n'y a pas encore des analyses de terrain. On se fie à des images médiatiques, parfois contradictoires. Donc, j'ai pas de réponse pour le moment. Peut-être dans 4-5 ans, on aura tous les deux des réponses. Mais peut-être vous avez vous-même une réponse, si vous connaissez directement le terrain. En fait, moi, je vous rejoins parfaitement, comme ce que vous avez dit. En fait, aujourd'hui, moi, ce que j'ai noté, particulièrement sur les mouvements sociaux qui sont en train d'être développés un peu partout en Afrique, c'est qu'en réalité, ils ne sont pas institutionnalisés, comme vous le dites. C'est plutôt des mouvements contestataires, un peu spontanés, qui sont en train d'être développés un peu partout, de manière à la limite, informelle, entre guillemets. Maintenant, est-ce que, en fait, moi, je vous ai posé la question de savoir qui. Et ces mouvements sociaux, j'ai eu l'impression qu'en réalité, ils sont un peu plus. Leur contestation a connu des proportions beaucoup plus sévères que leurs aïeux. C'est la raison pour laquelle je vous ai posé la question de savoir. Que vous me faites un parallélisme entre ces deux générations, qui a une dynamique, qui a une touche beaucoup plus dynamique, parce que en réalité, le problème c'est l'occupation en tant que telle. Leurs aïeux combattaient le colonialisme, alors qu'eux, ils combattent le néocolonialisme. Donc, en réalité, c'est la même. C'est le même. Ils évoluent sur le même terrain. Maintenant, le problème, c'est les générations. Le problème aussi, c'est. En tout cas, le même centre d'intérêt pour moi, c'est la colonisation. Maintenant, les formes peuvent être différentes. Mais moi, je trouve, en tant que tel, que. Aujourd'hui, les mouvements sociaux qui sont en train d'être développés un peu partout en Afrique, c'est des mouvements sociaux qui sont beaucoup plus vulgaires que leurs aïeux. Beaucoup plus? Beaucoup plus vulgaires. Vulgaires. Si je me permets de dire ça. Dans quel sens? Dans quel sens? C'est les révoltes, c'est les manifestations, c'est il faut que la France parte. Maintenant, est-ce que ça? On va continuer de vivre. Et quel est le rôle aussi des dirigeants africains face à cela? Mm-hmm. Ça aussi, il faut le convoquer. Donc, comme vous le dites, c'est une discussion très ouverte qui incite à ce que les chercheurs y pensent. C'est la raison pour laquelle moi, j'ai ouvert cette discussion pour que tout le monde en même temps puisse avoir des opinions là-dessous afin de permettre à chacun d'avoir son point de vue pour mieux
pour mieux regarder en face ce qui se passe aujourd'hui en Afrique. Mm-hmm. Aujourd'hui, la situation géopolitique, c'est une question très complexe parce qu'elle invite même à penser sur la situation géopolitique. Aujourd'hui, la Russie est en Afrique. Aujourd'hui, il y a récemment le sommet Italie-Afrique. Donc, c'est une question transversale et complexe qui mérite vraiment une réflexion assez poussée pour pouvoir inviter les uns et les autres afin de pouvoir adopter une posture beaucoup plus, surtout les jeunes Africains, parce que c'est important. Est-ce que les jeunes Africains doivent avoir la même posture que leurs aïeux, ce qui me semble être totalement différent, parce qu'aujourd'hui, il me semble qu'il faut avoir des méthodes de faire beaucoup plus rationnelles pour pouvoir arriver à une solution sur l'universalisme. Donc, c'est ça, quoi. Je vous remercie. Oui, si je peux juste répondre avant de passer, je crois que vous aviez une question. Juste pour continuer ce dialogue, je suis en train de réfléchir sur les parallèles, mais moi je vois plutôt de grandes différences entre les deux, entre les grands mouvements populaires au début, à la fin des années 50 et au début des années 60, c'est-à-dire autour des indépendances africaines. Ce n'est pas seulement une affaire d'élite, les indépendances africaines, mais c'était une affaire de, quand on regarde le Zaïre, mais aussi le Sénégal, le Mali, c'était des mouvements populaires, c'était une sorte d'enthousiasme populaire. Là, je vois trois différences, je vois plutôt des différences, et pas tellement des parallèles. Première différence, c'est pour le moment, tout au moins, une large absence de porte-parole au sein de ces mouvements-là. En 60, les porte-parole, c'était les... c'était l'élite formée par l'école coloniale française, c'est-à-dire Houphouët-Boigny, Senghor, Keïta au Mali, Sékou Touré en Guinée, etc. Donc il y avait des leaders, des intellectuels, des hommes politiques qui avaient un projet. Pour le moment, je ne vois pas dans ces mouvements sociaux-là de porte-parole ni de projet intellectuel et démocratique. Deuxième chose, c'est justement la référence au modèle démocratique. À travers ces porte-paroles-là, les mouvements populaires autour des années 60, liés aux indépendances africaines, donc liés à la lutte contre le colonialisme, étaient visés à un modèle démocratique. Tandis qu'aujourd'hui, ça m'étonne qu'il y a des manifestations où les manifestants, est-ce qu'ils sont payés ou pas, je ne sais pas, brandissent des pancartes « Vive Poutine », etc. Ça, c'est qui est quand même le contraire d'un homme démocratique. C'est d'autres références, c'est un autre rapport au modèle démocratique, même s'il, à l'époque, il n'était pas incarné par la France de l'époque. C'était un modèle démocratique véhiculé par les institutions françaises, mais pas incarné par les réalités politiques de la France de l'époque. Là, je crois qu'on est d'accord. Et la troisième différence, c'est les médias sociaux. On est dans un autre univers médiatique. Aujourd'hui, les médias sociaux, je crois que c'est une de vos préoccupations, ont une influence majeure partout, notamment sur des mouvements sociaux populistes, c'est-à-dire qui suivent des paroles et des dictons et des promesses simples. Je crois que c'est ça qui a changé aussi, c'est-à-dire la mobilisation par des médias sociaux et leur rhétorique spécifique, c'est-à-dire des tweets, des messages courts, des messages mobilisants, des slogans. C'est un autre contexte médiatique que je vois. Je vois plus de différences que de traits en commun, mais il faut prendre un peu de recul. Je crois que vous aviez une question. Oui, merci beaucoup pour votre présentation. En fait, j'aimerais bien prolonger deux points que vous avez évoqués. Le premier point, c'était à propos de Leïla Slimani. Et le deuxième, c'était sur le rap. Donc sur la prise de parole de Leïla Slimani, je me posais la question, en fait, en termes de méthodologie, de la montée en généralité possible ou pas à partir de cette prise de parole. Dans la mesure où Leïla Slimani, c'est aussi quelqu'un qui a... Vous l'avez dit, sa parole, elle est aussi située dans une trajectoire de classe. C'est quelqu'un qui vient d'un milieu social très favorisé au Maroc. C'est aussi quelqu'un qui ne fait pas du tout l'unanimité, notamment parmi les féministes marocaines. Elle est quand même très contestée, très critiquée aussi par le fait que
sa position, elle peut être perçue comme développementaliste, le fait de comparer le Maroc aujourd'hui à la France d'il y a un certain nombre d'années. Parfois, elle est aussi critiquée pour son aspect éventuellement culturaliste. Donc, je me demandais comment, en termes méthodologiques, vous pouvez vous adresser cette question-là de la montée en généralité à partir de prises de parole d'intellectuels en particulier. L'autre question sur le rap, en fait, ça m'a fait penser aux travaux de Karim Amou, qui est sociologue et qui a travaillé sur le rap en France, et notamment sur les phénomènes de porte-parole. Donc, vous en avez un petit peu parlé, mais justement sur le fait qu'il y avait une assignation. En fait, il prend en compte toute la chaîne de production du rap en France et aussi la manière dont le rap est distribué. Et il montre que dans les réseaux médiatiques, les rappeurs sont assignés à représenter les problèmes de la banlieue. Donc, c'est les termes qu'il utilise. Et il parle d'un mandat de responsabilité minoritaire. Donc, je me posais la question, est-ce que c'est un aspect qui vous a intéressé dans votre recherche, de remettre aussi dans son contexte plus général les œuvres, en fait, de les remettre en contexte, dans leur contexte de production, mais aussi de distribution, quelle place ça a dans votre méthodologie? Oui, merci. Bon, pour la première question, je crois que c'est le sujet d'une thèse que vous abordez là. C'est-à-dire, moi, j'ai pas du tout souligné que Laila Slimani était représentative pour, je ne sais pas quoi, pour les femmes immigrées, certainement pas, pour le féminisme marocain, j'ai pas dit ça, qu'elle était représentative. N'empêche qu'elle est certainement la plus présente et peut-être la plus influente dans la scène médiatique française. Je crois que ça, on peut le défendre. Mais après, c'est le sujet au moins d'un long article que je n'ai pas encore écrit, que je ne vais peut-être pas écrire non plus, mais peut-être d'autres, pour voir par quoi elle est concurrencée, quelles sont les autres positions d'écrivaines et d'intellectuelles dans l'espace franco. Si on pourrait parler d'un espace transculturel de discussion, parce que Laila Slimani est aussi perçue, critiquée, approuvée aussi par certains au Maroc. Donc c'est peut-être un espace de discussion, un espace public transculturel, franco-maghrébin, comme pour d'autres migrations, je crois, comme pour d'autres diasporas, c'est des espaces transculturels. Alors, je ne l'ai pas du tout monté en généralité, hein. Là, vous m'avez pas bien compris. Je ne voulais pas dire qu'elle est représentative, que sa position est celle des intellectuels, mais je voulais, je viens de le dire, souligner que je l'ai choisie parce que c'est la plus, d'après ce que je vois, c'est la plus présente et la plus médiatique et peut-être la plus influente. Influente aussi dans le sens qu'elle suscite le plus de critiques également, pas seulement des accords, mais des critiques également. Quelqu'un de controversé, mais Sartre l'était aussi. Et finalement, on parlait tout à l'heure des intellectuels. Je crois que tous les intellectuels sont des figures controversées, critiquées, approuvées, etc. Mais elle est quand même sur le devant de la scène, au moins en ce moment. Et pendant les 7-8 dernières années. Peut-être c'est en train de changer, mais pour répondre de manière détaillée, il faudrait faire beaucoup plus de recherches, voir les autres, voir quelqu'un comme... Je n'ai pas fait l'étude, j'ai lu et analysé le récit de Kaouta Archi, qui est apparemment, j'ai regardé un peu, assez présente également sur la scène médiatique française, mais beaucoup moins que Laila Slimani, elle est beaucoup moins militante également. En tout cas, elle ne partage pas du tout la même position, je pense, sur ces questions. Non. Mais oui. Ça, c'est vrai, oui. Pas du tout, je ne dirais pas, parce qu'elle s'est prononcée aussi sur l'homosexualité, par exemple, sur la sexualité en général, sur Kaouta Archi. Je n'ai pas d'éléments sur ça, donc je ne peux pas... Disons, il y a quand même des positions communes, mais il y a des différences, notamment des différences de classe et des différences sociales. C'est un autre monde que les deux visent. L'une est sociologue, l'autre est écrivaine dans un milieu très privilégié. Vous avez tout à fait raison. Sur le rap, bon, j'ai pas tellement travaillé sur le rap. Il m'a intéressé à cause de cette problématique-là, mais c'est surtout mon collègue
que vous connaissez, Dietmar Huse, qui est historien en Allemagne, qui a fait une grosse thèse sur cette problématique-là, c'est-à-dire sur le mandat de responsabilité des rappeurs français, sur leur rôle politique, en comparant ce rôle-là avec le rap, tout un chapitre. Je crois qu'on voit toujours les spécificités quand on compare, sinon on ne voit pas les spécificités. Je trouve souvent qu'on ne compare pas assez en France, à la télévision déjà. Quand on parle de n'importe quel sujet, que ce soit la retraite ou le SMIC, etc., on ne compare pas assez à d'autres pays, à leur situation, etc. Et donc, pour bien, Huse, il a comparé le rap français avec le rap allemand et le rap anglo-américain, et il a constaté que le rap français était beaucoup plus politique et beaucoup plus nourri par un vécu conceptualisé de manière politique. Et transféré et articulé à travers le langage du rap, évidemment. Mais il y a des concepts politiques, il y a des revendications politiques, il y a des références politiques. Ça, c'est très différent dans le rap allemand, par exemple, et dans le rap anglo-américain, qui est beaucoup plus focalisé sur des sujets comme la violence, la drogue, et notamment aussi la sexualité, qui est beaucoup plus... Au moins, c'est une des conclusions de Huse. Moi, je n'ai pas travaillé là-dessus. Il dit que le rap... anglo-américain et allemand est beaucoup plus sexiste que le rap français. Mais je n'ai pas fait moi-même des recherches là-dessus. J'ai analysé quelques exemples, mais c'est un vaste domaine aussi. Il faut consacrer une partie de sa vie à ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non ? Moi, j'ai une question. Oui, vous avez une question. Si on a le temps. Mais peut-être que là, il est... Je passe dans le temps. Sinon, ça n'a pas le temps. C'est une très longue question. Je crois qu'on a encore une ou deux minutes. Allez-y. Oui, allez-y. Ça peut être peut-être une question complexe. En fait, j'ai... Donc on a vu certains projets, donc des écrivains et des intellectuels du continent africain par rapport au projet républicain français. Et je me demandais si ça, c'est d'un point de vue interprétatif, si on pourrait, par exemple, interpréter cette contradiction entre ce qui a été appris aux Africains tout court, en fait, dans les colonies, et la pratique. La contradiction et la distinction qui existait entre les deux choses, si on pourrait interpréter par exemple avec justement la critique qui a été faite par Adorno et par Horkheimer, oui. Dans le dialectique de la raison. Justement quand il parle par exemple de l'échec de l'illuminisme, donc il montre comment, à quel point donc les principes des vérités, de liberté, de justice ont perdu leur réalité pour devenir des simples mots. Et il voit d'une manière très pessimiste. En fait, je voulais savoir si c'est possible d'interpréter ces écrits là dont on avait vu aujourd'hui à travers cette théorie, à travers la théorie de la dialectique de la raison. Voilà. D'accord, bon, c'est pas si vaste que ça la question, mais c'est important, oui, je suis tout à fait d'accord. Oui, pas tous, parce que d'ailleurs, je trouve l'ouvrage de Adorno et Horkheimer, je crois en français, ça s'appelle La dialectique des Lumières. Je ne suis pas sûr. Ouais. Oui, en allemand, c'est dialectique. En français, je veux que ça s'appelle dialectique de la raison, en français. Ah. Et en allemand, je veux que ça s'appelle dialectique de l'illuminisme. Ah, d'accord. En portugais aussi, ça s'appelle de lumière. Des Lumières. Oui. Des Lumières. Et en français, c'est dialectique de la raison. Oui, d'accord. Bon, c'est pas une bonne traduction, parce que les Lumières, c'est pas uniquement la raison, c'est aussi d'autres valeurs. Par exemple, tolérance, égalité, liberté de la presse, c'est tout un ensemble de valeurs. L'idée de progrès, etc., tout ça, c'est associé à cette
à cette idée des Lumières. Donc, traduire ça par raison, ce n'est pas tout à fait juste. Faut d'abord dire, même si j'ai récemment publié un article l'année dernière qui s'appelait « Dialectique africaine des Lumières », où je me suis penché sur Mbembe, sur Lopez et d'autres qui ont réfléchi sur la réception des Lumières. Moi, j'ai toujours eu des problèmes avec cet écrit de Horkheimer et Adorno, parce que je trouvais, vous l'avez très bien résumé d'ailleurs, en disant que la thèse de Horkheimer et Adorno, c'est justement à travers l'évolution historique, le sens des idéaux des Lumières, et notamment le sens de la raison, s'est vidé de sa signification, de son sens profond. Je crois que vous l'avez très bien résumé. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, parce qu'ils ont... Ils ont écrit ça en 1944 devant la découverte des camps de concentration, etc. Donc ça, c'était le contexte. Mais moi, je dirais, juste pour vous répondre, que que Horkheimer et Adorno pourraient peut-être servir comme base théorique pour penser Kuruma, ce que j'ai avancé. Bon, ça, pour... une certaine position culturaliste qui montre qu'on peut utiliser les mêmes termes, les mêmes références, tout en pensant le contraire. C'est-à-dire les termes sont vidés de leur sens. C'est ce que Kuruma montre très bien, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure. À travers ce vécu de cet enfant soldat, il entend des discours soi-disant démocratiques, mais il voit des actes complètement... tyranniques, dictatoriaux, violents, d'une extrême violence. Et il se demande comment ça se fait, pourquoi les gens parlent comme ça. Il découvre, il parle comme ça pour se légitimer par rapport aux populations, pour légitimer leur prise de pouvoir. Ils se disent démocratiques, ils se disent égalitaires, et par rapport à la scène internationale, à ceux qui peuvent peut-être leur donner de l'argent. La Banque mondiale, etc. Donc, il a compris ça. Je crois que pour ce type de discours, ça peut s'appliquer. Mais pour d'autres types de discours, non. Parce que, aussi bien Laila Slimani que Dadier, etc., ils avaient leur interprétation, que je trouve quand même remplie de sens, juste et revendicatrice de l'idéologie des Lumières. Ils se référaient au potentiel critique et au potentiel révolutionnaire des Lumières. Ça, c'est pas le problème de... C'est curieux que ça soit pas du tout le problème de Horkheimer et Adorno, parce que à la même époque en Allemagne, il y avait des gens qui avaient une toute autre position à l'égard de l'héritage des Lumières que Horkheimer et Adorno, qui au contraire pensaient que l'Allemagne n'avait pas été suffisamment éclairée, suffisamment attachée à des traditions démocratiques. Sinon, le Troisième Reich ne serait jamais arrivé. Comme Werner Krauss, par exemple, qui est un 18e-iste, mais en même temps un intellectuel engagé, très connu, comme Victor Klemperer, je ne sais pas si vous connaissez son ouvrage. Ça a été traduit récemment en français, LTI, Lingua Terzi Imperii, en latin, bon, l'ouvrage est en allemand, et traduit en français. Victor Klemperer est un héritier des Lumières, un juif persécuté par le Troisième Reich, qui réfléchit justement sur cette tradition marginalisée en France du républicanisme et en Allemagne du républicanisme et de la démocratie, en analysant le langage d'Hitler et du Troisième Reich. C'est un ouvrage que je vous recommande, ça vient d'être réédité en français. C'est un petit livre extrêmement intéressant pour ceux qui s'intéressent au langage des populistes aujourd'hui, de Trump à vos représentants en France, du populisme d'extrême droite. C'est extrêmement intéressant parce qu'il montre très bien, Klemperer, comment un langage peut être manipulateur. Et là aussi, il découvre que dans le langage du Troisième Reich, il y a des concepts des Lumières, mais complètement vidés de leur sens. Un peu comme vous avez dit. Merci. Mmh.
Bon, je pense il est 19h, donc on va devoir arrêter ici. Je vous remercie encore d'être venus nombreux. Et je remercie le professeur Lusebrun pour sa disponibilité et puis sa générosité. Merci encore. Bon, merci à vous. Merci beaucoup. Et votre...